Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un tout nouveau glitch en solo pour dupliquer en massif. En tout cas avant ça un grand merci à vous tous pour les 14 400 abonnés, c'est juste énorme. Go Rush maintenant les 14 500, je compte sur vous. Go Rush au plus vite les 15 000 abonnés, je compte sur vous. En tout cas bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à vous tous. Maintenant pour commencer le glitch, du coup vous aurez besoin d'être en session sur invitation comme moi. Vous devrez avoir votre mode de visée en visée libre. Donc pour ceux qui l'ont pas, vous changez soit en mode histoire, soit vous changez en mode éditeur. Ok. Vous aurez besoin d'avoir aussi un bunker, d'accord, avec à l'intérieur un centre d'opération mobile. Du coup le centre il se trouve sur le site Warstock et vous aurez besoin d'avoir à l'intérieur en module 2 le module vide et en module 3, donc le dépôt de véhicules personnels, ok, très important pour pouvoir faire le glitch, d'accord. Donc dans votre centre d'opération mobile, vous devrez mettre à l'intérieur le véhicule que vous voulez dupliquer, d'accord. Moi pour ma part, j'ai pris là ici anticipation, car c'est le véhicule qui se revend le plus cher, d'accord. Mais vous pouvez prendre autre chose, ça n'a aucune importance, mais je vous conseille de prendre là ici anticipation. Vous devrez aussi posséder un complexe comme moi. D'accord, avec à l'intérieur une Legi RH8 pour dupliquer. Très important, sinon bah, vous ne pourrez pas dupliquer. Vous devrez aussi posséder les quartiers à l'intérieur, d'accord. En gros, je vous montre ça à l'instant. Tac, je vais dans le complexe, le mien. Je fais rénover et regarder. Vous devez posséder les quartiers, d'accord. Sur le quartier utilitaire, haut de gamme, prestigieux, ça n'a aucune importance du moment que vous en avez un, d'accord. Voilà, pour pouvoir avoir le lit et pouvoir vous installer dans le lit. D'accord. Très important, sinon vous ne pourrez pas réussir le glitch. D'accord. Du coup, une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt à réussir le glitch. Du coup, c'est parti. Let's go. Allez, hop. Donc là, pour commencer, vous rentrez dans votre centre d'opération mobile. Donc là, vous prenez votre véhicule que vous voulez dupliquer. Moi, pour avoir, c'est bien là, ici, anticipation. Du coup, à l'op, je monte à l'intérieur. Et on fait le bouton R2 pour sortir dehors. Là on aura un écran noir, puis on va spawn dans le parking du bunker. Une fois qu'on a spawn, là vous allez placer votre véhicule à côté de la plaque blanche comme moi. Ok, alors là on descend et on laisse la porte du véhicule ouverte. Une fois ceci fait, vous faites pavé tactile, vous allez dans style, tenue et vous changez une tenue pour pouvoir avoir le petit cercle en bas à droite orange qu'il se fait. Une fois qu'il s'est fait comme moi, là vous allez sortir de votre bunker, hop, par la porte grise comme moi. Là vous faites quitter le bunker. Une fois dehors, là vous allez chercher un véhicule de PNJ ou vous allez appeler un hélicoptère depuis votre sécuroserve. Ok, ne surtout pas prendre un véhicule personnel à vous, sinon ça ne marchera pas et le glitch sera foiré. Ok, du coup alors moi pour ma part j'ai pris un hélicoptère depuis mon sécuroserve et là on va se rendre au complexe. Ok, alors c'est parti, on se rend au complexe. Une fois rendu au complexe, là on rentre à l'intérieur et une fois qu'on est bien rentré à l'intérieur de votre complexe comme moi, là vous allez vous diriger vers le lit que je vous ai demandé d'acheter au début de la vidéo. Vous savez, au début de la vidéo, les quartiers que je vous ai demandé d'acheter, bah là faudra en avoir un pour réussir le glitch. Du coup alors là on se rend au niveau du petit lit comme moi. Du coup là on rentre dans la petite pièce juste ici, tac, parfait. Du coup là, on a bien le petit lit qui se trouve juste ici. Là on s'approche et on aura un petit message en haut à gauche comme quoi on peut faire la flèche de droite. Du coup là on fait la flèche de droite pour dormir dans le lit. Tac, parfait. Du coup là on va attendre qu'on a le message en haut à gauche pour faire triangle. Hop. Là c'est bon, on a le message pour faire triangle en haut à gauche, du coup c'est parfait. Maintenant, là vous allez faire le bouton start, allez dans en ligne, vous descendez en bas et vous faites pack d'entrée. Alors on clique sur pack d'entrée. Là on va attendre 4 à 5 secondes, puis on fait le bouton rond sur pack d'entrée. Une fois ceci fait, après on va dans l'onglet carte, on ouvre la map en grand
Et on cherche un petit icône en bleu sur la map le plus proche de votre bunker. Ou peu importe, ça n'a aucune importance. Et vous faites carré pour lancer. Là, on aura un chargement. Puis là, on n'aura plus la minimap. Maintenant, on fait bouton triangle pour que votre joueur descende du lit. Et regardez, boum! Là, on est bien buggé, on n'a plus la minimap, du coup, c'est parfait. Maintenant, là, vous vous dirigez vers votre Elegy RH8. Ok, vous montez à l'intérieur. Et là, vous allez faire une petite manipulation hyper simple. Vous allez rejoindre une personne en mode de visée différent de vous, dans votre liste d'amis ou dans votre communauté. D'accord? Moi, pour ma part, c'est ma propre communauté à moi qui s'appelle NeoGamer. Et il faudra maintenir le bouton R2 tout le long. D'accord? Hop, là, on rejoint une personne en mode de visée différent de vous. Là, on fait rejoindre la session. Là, on aura un message. Donc là, il faudra maintenir le bouton R2 tout le long. Alors, on maintient le bouton R2. Et en même temps, on va accepter le premier message et on va refuser le second message. Là, on va accepter le troisième message et notre joueur va descendre du véhicule tout seul comme moi. Là, vous allez avoir un écran noir et vous allez spawn dehors. Donc, si pour votre part, vous n'avez pas d'écran noir et vous restez dans le complexe, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste faire le bouton Start, ouvrir la map en grand et chercher un petit icône en bleu le plus proche de votre bunker. Et vous faites la manipulation pour vous téléporter. Du coup, je pense que tout le monde la connaît, pas besoin de la réexpliquer. Donc, si pour vous, vous avez un écran noir et vous spawnez dehors, là, il faudra prendre un véhicule de PNJ et non un véhicule de personnel. Et vous vous rendez à votre bunker. Vous rentrez à l'intérieur et regardez, normalement, boum! Notre ici anticipation est encore là. Maintenant, là, on va regarder la plaque. La plaque, elle se finit par 30. Du coup, là, on monte dans le véhicule et la plaque va changer. Regardez, boum! Maintenant, la plaque, elle se finit par 852, vous avez vu. Du coup, là, vous allez faire la flèche droite sur le petit rond bleu du centre. Alors, flèche droite. Là, on aura un message comme quoi notre dépôt de véhicule est plein. Là, on va l'accepter. Du coup, notre ici va rentrer dans le centre. Et ça sera bien un guide de duplication en solo. Maintenant, pour enchaîner en massif, vous faites le bouton R2 pour sortir de votre centre avec votre voiture. Là, vous aurez un chargement avec un petit chargement blanc. Et là, vous allez spawn dans le parking du bunker. Du coup, vous placez votre véhicule à côté de la plaque blanche comme moi. Là, vous laissez la porte du véhicule ouverte. Vous faites pavé tactile, style, tenue. Et vous changez une tenue pour pouvoir avoir le petit cercle en parlant orange qu'il se fait. Dès qu'il s'est fait, là, vous allez voir que vous ne pourrez pas sortir de votre bunker. Regardez, hop. Là, je peux pas sortir du coup. Pour sortir, vous faites bouton start, vous ouvrez la map en grand. Et vous cherchez un petit icône en bleu le plus proche de votre complexe. Moi, pour ma part, c'est celui-là, et on fait bouton carré pour lancer. Du coup, une fois rendu dans les paramètres de l'activité, là, vous rejoignez une personne qui a un mode de visée différent de vous. Par exemple, dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer, alors là, on rejoint une personne en mode de visée différent de vous. Dès qu'on est rendu dans les paramètres de l'activité, alors là, on rejoint une personne en mode de visée différent. Là, on va accepter le premier message et vous allez refuser le second message. Du coup, maintenant, vous dirigez à votre complexe et vous refaites la manipulation à zéro. Et vous faites ça en illimité. En tout cas les gars, go rush maintenant les 14 500 abonnés, je compte sur vous. Go rush au plus vite les 15 000 abonnés. En tout cas, moi je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!